Bonjour madame. Je vais commencer par vous présenter et nous dire comment fait-il que vous soyez là malgré le mot d'ordre de votre syndicat. Moi je suis docteur Kiazayaoko Zola. Je suis interniste, je suis chef de service des urgences de l'hôpital général ex-Mamayemo. Bon, si vous m'avez trouvé au lieu de service, je suis d'abord chef de service et le service d'urgence qui a urgence intégrée qui a un statut de département. Alors, je suis là parce que je suis responsable du service et il y a l'administration. Étant responsable, il y a aussi l'administration que nous faisons. Et donc, je ne pouvais pas être en dehors de l'hôpital. Mais docteur, est-ce que vous trouvez ça normal que vous restiez? Vous êtes seul, le seul médecin qui est resté à l'hôpital ou non, non, non. Service, il y en a non, non, non. J'ai parlé du service des urgences intégrées, mais l'hôpital est composé de plusieurs départements. Et donc, si vous allez dans chaque département, vous trouverez un chef de département qui est là, qui doit assurer l'administration. Mais comment ça vous fait que vous étiez en négociation avec le gouvernement pour vos primes, pour l'alignement de nouvelles unités, et du coup on nous dit que vous partez en grève. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, ce qui s'est passé, c'est que nos représentants peut-être pourront bien vous le préciser, mais à ce que je sache, si nous avons reçu les mots d'ordre d'endurcir la grève sous cette forme de polarisation des urgences, c'est parce que les revendications des médecins n'avaient pas encore trouvé une solution favorable. C'est comme ça que les syndicats ont décidé, à l'unanimité je peux dire, parce que c'est chaque hôpital qui a fait l'assemblée pour évaluer la situation de la grève pendant la phase le service minimum, et on a fait la compilation pour chaque hôpital, chaque province,
C'est à l'issue de cette compilation qu'on a trouvé que la base a trouvé qu'il fallait endurcir encore le mouvement des grèves. Donc, il faut dire que vous, vous êtes chef de service ici. S'il y a une urgence dans votre service, vous serez capable d'aller secourir le malade qui est en urgence. Capable, oui, mais je ne le ferai pas parce que les modalités pratiques de la grève sous forme de polarisation des urgences, vu qu'à chaque jour, il y a des structures sanitaires qui sont désignées pour recevoir les urgences à travers la ville. Et donc, aujourd'hui, notre hôpital n'est pas parmi ceux-là qui doivent recevoir les urgences. Ah, vous avez de partager, il y a des hôpitaux qui sont oui, disponibles chaque jour, pour recevoir les urgences. Vous pouvez essayer de nous citer le pour aujourd'hui, par exemple, c'est l'hôpital Ngaliema et l'hôpital de Kinkole qui doit recevoir. Et il y a tout un programme pour toute la semaine. Chaque jour, il y a au moins deux hôpitaux qui doivent recevoir les urgences. C'est ça la polarisation. Chaque jour, il y a deux hôpitaux. Et il y a un programme comme tel. Et vous avez laissé des médecins là-bas qui sont disponibles. Oui, il y a des médecins là-bas qui vont recevoir des malades en urgence. Pour le moment, si vous comptez aller jusqu'à quand avec la grève? La grève, nous sommes là, nous attendons seulement les mots d'ordre. Pendant que nous sommes en grève, il y a des négociations certainement qui sont en cours. Et lorsque nos représentants trouveront que la situation est favorable pour reprendre le service, nous allons nous réunir et on va nous donner les instructions. Voilà, après évaluation. Et vous êtes là tous les jours ou vous travaillez maintenant à l'intervalle Non, je viens tous les jours au service. Je viens tous les jours au service parce que je dois assurer la permanence par rapport d'abord à l'administration. Et oui, comme je suis aux urgences, certainement que, bon, les urgences ne gardent pas les malades pendant longtemps. Donc, d'ici à demain, certainement déjà que la salle d'observation des urgences va se vider et tous les malades vont partir seront envoyés au niveau des différents départements. Et donc, les autres départements auront toujours des malades qui sont déjà en hospitalisation en attendant qu'ils ne soient sortis. Et voilà.